Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Slime Isekai Memorize. Comme vous savez, aujourd'hui, c'était le grand jour pour la mise à jour de 2,4 Go. Si vous avez un problème avec un écran noir, les amis, vous avez juste besoin d'attendre une mise à jour interne dans le jeu, in-game, si vous préférez, qui comptera 1,8 Go in-game. Et qui va régler ses problèmes. Alors, qu'est-ce que cette mise à jour va nous rapporter, les amis? Alors, on va aller voir ça de suite. Alors, correction des bugs, implémentation du classement EP, du coup, du classement de puissance, également. Et ce classement-là, cette mise à jour sera complétée demain. Du coup, tout sera ajouté demain. À la première heure, du coup, aux alentours de 6h du matin, 6h15, on verra à quel moment plus précisément. En dehors de ça, je pense qu'on aura un nouveau portail. Plus également l'ajout du Predator Battle que je vais vous montrer là de suite. Ici, comme vous le voyez. On pourra acquérir diverses compétences de renforcement pour améliorer les fameuses compétences de personnages. Par exemple, là, on est ici. On quitte ça. Je voulais voir s'ils avaient annoncé un truc spécial dans les annonces, mais rien d'incroyable. Du coup, on va sur, par exemple, chez eux, on va dans Skill. Et là, on pourra améliorer les compétences ici. D'ailleurs, je vais l'augmenter, elle. Pas trop touchée depuis. Ok. Maintenant, à part ça, il n'y a pas grand-chose. Je trouve que pour une mise à jour de 2,4 Go, il devrait y avoir plus de contenu. Pour quelle raison? Bah, parce qu'une mise à jour de cette envergure, de cette taille-là, excepté pour un petit nouveau mode de jeu et l'ajout du PVP, je trouve que c'est pas énorme. En dehors de ça, la correction de bug qui va nous faire plaisir par rapport au message d'erreur va nous faire, comme je viens de le dire, nous faire énormément plaisir. Mais en dehors de ça, on s'est un petit peu hype pour rien. Peut-être que pour la version iOS, ça va leur faire plaisir parce qu'il y en a beaucoup qui continuent à avoir ce problème-là. Mais voilà, on verra ce que ça va nous donner dans les prochains jours. En dehors de ça, comme vous savez, je vous ai annoncé dans les leaks, il y a dans les anciennes vidéos, des leaks qui vont nous rapporter 2-3 nouveaux personnages avec des nouveaux événements, l'ajout de certains contenus in-game et de nouveaux événements. De nouveaux personnages qui vont arriver dans la suite, comme je vous dis, commence à économiser. Moi, j'ai même pas réussi à tenir en soi. Hein. Pas réussi à tenir, j'avais 1000, j'ai fait 2 multi, là je suis à 400. Pas tranquille, pas grave, on va se refaire. Dans tous les cas, je pense pas invoquer sur les deux trois prochains portails. Je vais attendre une unité qui va permettre de stun et qui aura un taux de stun. De chance de stun élevé, enfin, supérieur à 60% voire 70%, ça serait cool parce que là pour tout ce qui est conquête et tout, c'est un peu chaud. Du coup, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve à pourquoi pas tout à l'heure dans quelques minutes pour un live ou pas du tout. On verra. Sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine, prenez bien soin de vous et à demain pour une nouvelle vidéo s'il y a une vidéo à faire. Prenez bien soin de tout le monde.